Dans cette vidéo, je vais tester les meilleurs mythes de super-héros sur Fortnite. Et pour ce premier mythe, les gars, on va utiliser Captain America. Apparemment, si j'utilise le skin Captain America avec son bouclier, on peut le lancer comme un boomerang pour pouvoir faire des kills, les gars. C'est parti, 3, 2, 1 et... What? Wesh, vous avez vu ça, les gars, c'est incroyable! Mythe confirmé! Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je pense que vous n'êtes pas prêts. Pour ce prochain mythe, j'ai invité un abonné à ma chaîne YouTube pour tenter de remporter 10 000 V-Bucks. Ton objectif, c'est d'arriver à obtenir le marteau de Thor. Regarde ça, comment il est magnifique. Oh, c'est vraiment trop badass. Est-ce que t'es prêt, mec? Tu as exactement 10 minutes pour trouver le marteau de Thor qui se trouve dans cette zone, c'est parti! Cherche bien partout parce que le marteau peut se trouver n'importe où. Les gars, ce qu'il ne sait pas, c'est que le marteau de Thor est pile au centre de la map. Regardez, il est vraiment trop beau! On est directement parti, les gars, pour un défilé de mode de folie dans la map de Pirates des Caraïbes, les amis. Si vous voulez vous échapper, les amis de cette île, il va falloir gagner mon défilé de mode. Les gars, le streamer vient tout juste de commencer un défilé de mode et regardez, j'ai mis le skin de la femme invisible des 4 fantastiques. La particularité, c'est qu'elle peut se permettre d'être invisible quand elle veut. Et je vais utiliser ce mythe pour gagner ce défilé de mode. Je vais demander à la première personne de s'avancer. Là, on se retrouve directement avec un skin, un très très vieux skin du chapitre 1 que j'ai beaucoup joué. Et oui les gars, j'ai beaucoup joué avec le petit masque, la petite pioche qu'on aime beaucoup, frérot. Tu es qualifié. Normalement, si je vais dans le buisson, regardez, il y a un bouton qui me permet d'ouvrir une grotte juste ici. Let's go. On va au fin fond de la grotte et boum, voilà. Je suis présentement dans une salle de triche, les gars. Regardez tout ce que j'ai juste ici en ma possession. Ce que je dois faire pour devenir invisible, les gars, c'est rentrer juste ici et boum, voilà. Regardez les gars, je suis complètement invisible, ça fonctionne. On va refermer la cave, les gars, comme ceci, et on est parti pour re-rentrer au défilé de mode. Les personnes sont en train d'être qualifiées pour ce défilé de mode. Il y a un mec qui est juste ici qui attend son tour, les gars. Je vais passer juste avant lui, les gars, en étant invisible. Je vais passer pour essayer d'être qualifié. Je crois que ce skin a plusieurs variantes, mon ref. Là, il y a un peu de vert que j'aime beaucoup. Est-ce que t'as une autre variante à me montrer? Ok, j'aime beaucoup les skins de variantes. C'est un skin que j'ai vu qu'une fois en défilé de mode. C'est pas un skin que je kiffe de fou malade, par contre. C'est vraiment un skin très original qui n'est pas beaucoup joué. Le petit sac à dos en vert qui va bien, du coup, frérot. Tu es qualifié pour la prochaine. Ok, la personne en face de moi a été qualifiée. C'est à mon tour, les gars. Ok, c'est parti. Hop, il se rend pas compte que je suis invisible. Les gars, mais what? La porte elle s'ouvre toute seule. C'est bon, les gars, on est passé. Let's go, on est qualifié. Il s'est rendu compte de rien. Let's go. Du coup, les gars, je passe au dernier skin qu'il y a là. On va fermer la porte pour être sûr qu'il se passe rien. Les gars, regardez, le streamer est juste ici. Et je vais faire une dent juste là. Regardez, je suis une chaise. Oui. Oh, et là, la chaise vient de disparaître. Allez, ça dégage. Wesh, il est où? C'est vraiment trop cool d'être invisible. Ça me permet de troller le streamer. Il va complètement péter un câble. Les gars, il y a un fantôme. J'ai juré, il y a un fantôme, les gars, dans la map. Le fantôme, frérot, on va te tuer. Fais gaffe à toi, le fantôme. Les gars, regardez, je me suis transformé en cerf-volant. Est-ce qu'il arrive à me voir ou pas? Il y a un cerf-volant? Il est clairement en train de me chercher, gros. Il n'arrive pas à me voir. Ok, les gars, on est directement parti pour la deuxième manche. Cette fois-ci, c'est la manche des emotes, les gars. Je vais être très strict. J'ai été très gentil pour la première manche. Cette fois-ci, je vais être assez difficile. Les gars, ce super pouvoir, il est vraiment trop cheaté. On est parti pour encore ruiner encore plus. C'est défilé. Mode. Je retourne dans ma salle de triche, les amis, et juste ici, je vais appuyer sur ce bouton pour me téléporter tout au-dessus du défilé de mode, les gars. Regardez, c'est vraiment trop cheaté. Ok, la petite danse du bassin. Ok, frérot, tu es qualifié. Ok, Harley Quinn, un des meilleurs combos de skins que j'ai vu dans ce défilé. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Ok, une petite trend TikTok. Vas-y, vas-y, tu es qualifié. Ok, c'est une très vieille danse, les gars. Elle date de fou, la danse, mais en vrai, je l'aime pas trop. Du coup, malheureusement, frérot, GG à toi. Tu es éliminé. Bon, les gars, GG à vous. Vous êtes les heureux qualifiés de cette deuxième manche de mon petit défilé de mode. Par contre, les gars, il y a un truc où je suis pas content. Il y a quelqu'un parmi vous qui triche. Il y a un tricheur. On est parti pour encore plus gâcher. Juste ici, on a un bouton qui me permet de faire voler les joueurs dans les airs. Regardez, ils sont juste en dessous, on appuie sur le bouton, les gars, et waouh, regardez ça. Allez, ciao. Ah, mais les gars, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Les gars, à chaque fois que je fais un défilé, il y a un tricheur. À chaque fois que je fais un cache-cache, il y a un tricheur. Eh, hey, les gars, moi, je joue plus avec vous. Je retourne au salon, je me casse. Les gars, il vient de rage quit. Oh non, c'est pas possible. Alors, comment ça se passe ici? T'as toujours pas trouvé le marteau de Thor, mec? Attends, ça fait 5 minutes, gros, que tu cherches et t'as même pas encore réussi à trouver. Gros, fais vite, trouve toujours parce que là, mec, t'abuses, mec. T'as encore 5 minutes. Non, mais c'est pas possible. Il a cherché partout sauf au milieu de la map. Les gars, regardez, après que le streamer est rage quit, il a relancé un autre défilé de mode et ça tombe bien. Regardez, je suis aussi dedans. Pour ce prochain mythe de super-héros, les gars, regardez le skin que j'ai. J'ai le skin de Frozone dans les indestructibles. Il y a tous les noobs qui sont disposés ici pour faire le défilé de mode. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient gagner. Non, non, pas du tout. Je vais tout gagner.
cacher. Ok les amis, c'est parti pour la première manche. Donc frérot, je t'avais déjà analysé tout à l'heure. Franchement, cette fois-ci, vu que t'es le premier, allez, je te laisse passer. Avant toute chose les gars, regardez juste ici, il y a un bouton, c'est le code créateur les gars. N'hésitez pas à mettre le code créateur Jeanfils, J-E-A-N-F-I-L-S, comme le nom de ma chaîne YouTube dans la boutique Fortnite. Merci les boss, tous ceux qui mettent le code créateur. Alors les queens les amis, c'est ma femme les gars. Margot Robbie, c'est ma femme, les refs. Du coup, bah tu es qualifié, obligé de te qualifier. Il y a le streamer qui a lancé son défilé de mode, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en dessous de ce défilé de mode, les gars, se trouve le repère de Frozone. On est clairement dans la base de Frozone. Frozone, comme vous le savez, c'est un mec qui n'a pas peur d'avoir froid. Attends, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Oh les gars, regardez, un pouce bleu. Ça veut dire que vous êtes tous obligés de vous mettre un pouce bleu, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. En vrai, la base de Frozone, elle est vraiment trop stylée. Je kiffe trop. On a juste ici son bureau avec son setup gamer. Waouh, trop stylé. Et les gars, il y a un coffre juste ici. Qu'est-ce que je peux bien trouver à l'intérieur de ce coffre? Des grenades gelantes. Oh lolo, c'est génial. Je vais pouvoir utiliser ces grenades gelantes pour complètement gâcher le défilé de mode du streamer. Ok les gars, le prochain skin, c'est tout simplement un skin tout bleu. J'aime beaucoup le bleu. T'as un très joli combo de skin. C'est pas un des skins que j'aurais le plus joué, mais c'est un joli combo de skin. Du coup, tu es qualifié pour la prochaine manche. C'est à mon tour de gérer le défilé de mode. Attention, est-ce qu'il va valider mon skin ou pas, mec? Là les gars, on a un skin super héros qui est super musclé. En vrai les gars, j'ai jamais vu un skin super héros comme ça. Allez, hey, hey, ça va? Par contre frérot, je t'ai pas demandé de danser. Je ne t'ai pas demandé de danser frérot. Mais t'as un joli combo de skin. C'est la première fois que je vois le super héros comme ça et avec ces couleurs là. Du coup pour l'originalité frérot, je suis qualifié pour la prochaine manche. Let's go les gars, je suis qualifié. Let's go, ça fait plaisir. Regardez tous les noobs qui ont été qualifiés juste ici. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est moi qui vais remporter le défilé de mode. Ok les gars, félicitations. Vous êtes tous qualifiés pour la deuxième manche. Ok les gars, je pense qu'il est parti pour utiliser les grenades. C'est parti les gars, allez, ça dégage. Hop là. Allez, vous avez les pieds gelés. C'est l'attaque de Frozone. Hey, tu penses à où toi? Tu penses à aller où honnêtement? Il est fou lui. Allez, l'axolote, ça dégage. Et toi? Ok, c'est bon, ils sont tous tombés. Ça fait plaisir. C'est pas possible, il est où le tricheur? Oh, mais c'est toi qui as triché. Voilà, je viens de tuer le tricheur. Et en plus, il y a une base secrète avec un coffre qui était là. Oh non, les gars, regardez, il y a le streamer juste ici qui vient de découvrir ma base secrète, les gars. Regardez. Allez, c'est bon, je vais le troll. Allez. C'est lui, les gars. On a trouvé le tricheur. Allez, ça dégage. Hop là, t'as les pieds gênés, mon gars. Les gars, mais c'est pas possible. Vite, vite, je dois le tuer. Let's go. Bon, les gars, j'en ai vraiment marre de ces défilés de mode qui, à chaque fois, part en cacahuète. Cette fois-ci, les gars, on va continuer tranquillement, mais en cache-cache. Et cette fois-ci, celui qui triche, hein, celui qui triche, je le bannis de partout. Attention frérot, il ne te reste plus que 5 secondes pour trouver le marteau de Thor. 3, 2, 1. Oh non gros, t'abuses frérot. T'as pas trouvé le marteau de Thor. Malheureusement, tu ne remportes pas les 10 000 V-Bucks. Ouais. Oh non, pleure pas gros, ne pleure pas. Viens, suis-moi, je vais te montrer où était le marteau de Thor. Il était juste ici, regarde, en plein milieu. Il a clairement cherché partout, sauf au milieu de la map. Bon, malheureusement, t'as pas remporté les 10 000 V-Bucks, mais je te laisse récupérer le marteau de Thor. Attention, regardez ça. Oh, c'est trop badass. Attends, est-ce qu'il va réussir ou pas? Est-ce qu'il va réussir? Oh, oui! Let's go, gros! T'as réussi! Bien joué! D'ailleurs, les amis, gros big up à ces personnes qui viennent tout juste de s'abonner à ma chaîne YouTube. Si toi aussi tu veux une dédicace pour la vidéo de demain, il suffit juste de cliquer sur le bouton rouge de s'abonner. Je compte sur toi, mec. Ok, les gars, j'en avais marre des défilés de mode. On est directement parti pour un cache-cache de folie avec les mêmes abonnés. Et normalement les gars, il n'y a plus le skin du hacker, du coup ça fait plaisir les amis. Les gars, regardez, il y a le streamer qui vient tout juste de lancer un cache-cache. Et regardez le skin que je me suis procuré, le skin de Superman. Allez, c'est parti les gars, on a 30 secondes pour se cacher. Et vous savez quoi les gars, il est possible d'activer une vision thermique quand on utilise le skin de Superman. Pour ce faire les gars, il faut rentrer dans cette maison. Regardez juste ici, il y a un lit et hop, j'ai poussé le lit et juste ici il y a un trou. On est parti pour sauter dedans et boum les gars, regardez, une salle de triche. Merci. On va utiliser la vision thermique et je vais aussi récupérer des armes pour tuer un maximum de participants les gars, on va trop s'amuser. Ok les gars, les 30 secondes sont écoulées, je vais venir vous trouver les gars. J'espère que vous avez pris de bonnes cachettes, parce qu'il faut savoir les gars que je suis un boss en cache-cache. Et ouais les gars, je suis le meilleur en cache-cache. Les gars, regardez, il y a le streamer qui vient de commencer de chercher. Il est complètement ridicule, il est vraiment trop nul en cache-cache. Moi ce que je sais de toute façon, c'est que je vais gâcher son cache-cache. Oh, il y a un geyser. Les gars, je vais prendre le geyser pour avoir la hauteur. Et qui voilà les amis, en prenant le geyser, j'ai directement trouvé le premier abonné. En plus c'est Harley Quinn. Malheureusement GG à toi, tu es la première trouvée. Vous savez quoi, on est parti pour activer la vision thermique. Oh regardez les gars, c'est incroyable la vision thermique de Spider-Man. Oh, le streamer est juste là-bas, regardez. On arrive à le voir ultra loin grâce à ce pouvoir. Ok les amis, là ce qui est cool les refs, c'est que j'ai la hauteur. Et comme j'ai la hauteur les gars, je vais pouvoir trouver des abonnés. Oh,
Attends, je crois les gars avoir trouvé un autre abonné là-bas. Voyons voir si on peut pas apercevoir une autre personne. Ok, il y a le streamer qui est là-bas et... Oh, les gars, what? Les gars, regardez, il y a un lama Fortnite juste là-bas. Les gars, il y a un abonné là-bas. Il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite les gars. Oh les gars, regardez, juste là, je vois quelque chose. Oh, oh, let's go. Mais what? Mais il vient de faire un kill. C'est lui les gars, c'est Superman, je devais trouver Superman. Il est où les gars? Attends, mais il est où Superman? Les gars, on est parti, regardez, je suis Spider-Man et je vole grâce à ma cape. Oh là là, c'est vraiment trop cheaté. Clairement, le mythe de Spider-Man, c'est clairement mon mythe préféré. Attends, j'ai dit Spider-Man? Non, non, c'est Superman les gars. Je pense qu'il est temps d'activer la vision extrait de Superman. 3, 2, 1... Voyons voir s'il y a des gens autour. Oh oui les gars, regardez, juste là-bas. Oh, je vois que quelqu'un se cache. Attends, mais what? Attends, le mec est clairement caché dans le sol. Mais attends, mais c'est de la triche. Les gars, il y a un abonné ici. Let's go, j'ai trouvé un abonné. Oh non, oh non, c'est un leurre les gars. Mais sont où les abonnés les gars? Vous avez des bêtes de cachette de fou hein. Oh les gars, regardez, je vois le streamer juste là. J'arrive à le voir à travers les constructions. C'est vraiment trop cheaté. Les gars, regardez, il est juste là. Il y a quelqu'un sur le toit les gars. Il y a quelqu'un sur le petit toit. Les gars, juste voir s'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un ici, je viens de le voir. Oh, il est juste là. Et vous savez quoi, je vais partir loin. On est parti pour essayer de trouver d'autres personnes à éliminer. Eh frérot, je t'ai vu passer mon ref. Je t'ai vu passer, mais t'es où? Oh. What? Les gars, il y avait un abonné juste ici. Les gars, regardez juste ici. Il y a un axolote qui est à l'intérieur de ce silo. Il est sérieux ou pas là? Hey, salut toi, comment ça va? Allez. Oh non, c'est pas possible. C'est vraiment trop bien d'être Superman. Il y a encore le gars qui a fait un kill, les gars. Attendez, mais c'est pas possible. Mais à chaque fois, il fait un kill. Mais à chaque fois, les gars, que je veux faire une vidéo, ça se passe mal. Les abonnés, s'il vous plaît. Oh, salut toi. Eh frérot, est-ce que tu connais la cachette de quelqu'un d'autre? Non? Eh ben, tu meurs, let's go, Didi Mystery dans le rétro. Les gars, regardez, je vois le streamer, je pense qu'il est temps de l'éliminer. Oh, d'abord, regardez, attendez, je vois juste une personne juste là-bas. Coucou, tu vois, allez, ça dégage. Oh, mais ça tire, les gars, c'est Superman, il a encore tué quelqu'un. Oh, il y a le streamer, il est juste là. Hey, mais il est là. Oh non, attendez, les gars. Allez, viens ici, toi. Hop là, allez. Ça dégage. Oh là là, c'est vraiment trop cheaté d'être Superman. Mais non, mais c'est pas possible. À chaque fois, les gars, je fais un cache-cache, un défilé, une course, il y a des tricheurs, mes frères. Dans toutes les maps, vous inventez des salles secrètes, c'est pas possible. Moi, les gars, je me casse. À chaque fois que je joue avec les abonnés, ça se passe mal. Moi, j'y vais, je retourne au salon et je me découvre. Dans cette vidéo, on aura testé les meilleurs mythes de super-héros. Franchement, c'était vraiment trop amusant. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo, juste là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. C'est très important et pour la prochaine, on se dit à la prochaine. Tchuss.